Les reins sont deux organes vitaux qui assurent deux grandes fonctions, l'épuration du sang et la sécrétion des hormones. Le rein est un organe de l'appareil urinaire. Les reins se situent sous les côtes, de part et d'autre de la colonne vertébrale, et non dans le bas du dos comme le laissaient croire de nombreuses expériences populaires. La fonction première des reins est d'éliminer les déchets toxiques produits par le fonctionnement normal de l'organisme et transportés par le sang. Ces substances sont inutiles à l'organisme et sont toxiques si elles ne sont pas éliminées. Les acides en excès provenant de l'alimentation sont éliminés pour maintenir la composition idéale du sang, pH sanguin. En plus de leur rôle régulateur et de filtre, ils produisent également la vitamine D qui permet l'absorption du calcium par l'intestin, la rénine indispensable à la régulation de la tension artérielle. Les maladies rénales chroniques entraînent une diminution du fonctionnement des reins qui ne filtrent plus correctement le sang de l'organisme. Les causes principales sont le diabète, l'hypertension artérielle, la fréquence de l'insuffisance rénale et augmentation en raison de l'allongement de la vie et l'augmentation de nombre de cas de diabète.